je vais en profiter pour nourrir le petit restant de Mr. Blop, mon levain, qui est là, donc après l'utilisation que j'en ai faite. Donc voilà, il reste cette quantité-là. Donc au pif, je vais lui donner donc, une grosse cuillère, c'est à peu près la quantité qu'il en reste. Donc, je vais lui donner ça, par exemple, à manger. Donc ça, c'est de la farine T55, bio, bien sûr. Et qui n'est pas une farine de grande qualité, d'ailleurs. Donc, je prends un peu d'eau et je rajoute de l'eau. Je mélange. Pour obtenir une pâte. Donc ça, ça me va. Je n'ai pas besoin de rajouter plus d'eau. Mon bol n'est pas spécialement propre. Il n'est pas sale, hein, bien sûr. Il a simplement eu du levain. Il garde un peu de levain mûr sur les côtés. C'est pas grave. Je mélange. Je mélange souvent en faisant comme ça. Un petit peu comme si je battais jusqu'à obtenir une petite pâte bien lisse. On voit qu'elle est bien élastique. Et voilà, je racle un peu les bords. Et mon levain est prêt. Donc, je le ravise. Son assiette renversée et je le mets de côté pour au moins une douzaine d'heures et je rince les ustensiles avec de l'eau froide tout de suite, comme ça ne colle pas et c'est très facile à enlever.